en lunaire jusqu'à la fin pour vous? Ah oui, à la fin pour le Nord, c'est horrible. Ouais. Parce que être en première place, c'est jamais sûr. Je suis jamais sûr que j'arrive premier. Juste aussi, sans mettre la bonne ligne d'arrivée, je ne suis pas sûr si j'arrive premier. C'est super, un peu la tête, c'est super dur. Donc là, un grand ouf, c'est fini, c'est oui. Bon. Hein oui. D'accord. Vous aviez été vainqueur également de la MAP en 2010. Oui. Et puis là, cette année aussi, vous avez croqué la solidaire du chocolat en 2012 pour la saison. Elle commence bien. Oui, il est Atlantic Cup. C'est 3 régates. Trois fois en première oui. Place. Super année. Oui, alors voilà, la saison commence très bien. Alors la mini Fastnet, du coup, c'est la porte ouverte pour la mini Fastnet, je suppose. Ah oui, mais oui, nous voudrions bien, mais il y a beaucoup de coureurs qui sont super bien et c'est pas gagné. Je pense si nous faisons un podium dans la Fastnet, nous serons contents. Bon, ben, merci beaucoup. Et puis un petit dernier mot pour les collègues qui sont encore sur l'eau, qui vont arriver incessamment sous peu, un peu plus tard dans la nuit. Oui. Bon vent, bon, c'est un peu brutal parce qu'il n'y a pas de vent. Reste calme, bon courage. Ouais, calme pour les nerfs et puis en tout cas, bah, bon courage à vous pour la suite et puis félicitations encore. Bravo! Vraiment une course sympa. Une course sympa, mais bon, j'étais bien parti. Mais un peu moins rapide au portant que. Les quatre premiers bateaux, puis une petite erreur dans la nuit, la première nuit, garder trop longtemps le spiel, lui balancer un coup de 5. Et puis une petite couille de dérive qui m'a été avec Julien un peu plus tôt. Et voilà, donc non, pas facile, mais bon, c'est sympa. Ok, bon, et maintenant tu vas faire quoi? Et boire une bière. Ouais, ok, ça marche. Bah, j'ai fait un bon début de course jusqu'au Birvido. Ouais. Et puis là, j'ai fait un petit somme qui m'a coûté très cher. Et puis en enroulant les Birvido, je me suis emmêlé dans un casier. Ah. Obligé de plonger. Et du coup, après, j'étais un peu frigorifié. Ouais. Mais bon, sinon, c'était vraiment sympa. C'était une belle bagarre avec Jörg, là, toute la descente jusqu'à Pamar. Là, c'était vraiment sympa. Impression de la course. Les impressions de la course, on va se dire, on a eu des super conditions, des conditions royales. C'était beau temps, c'était presque le t-shirt jusqu'à 10-11 heures. À minuit, allez, on met une petite polaire. Et la voiture. C'est pas grave. Et après, c'était la nuit, c'était pleine lune, donc aussi c'était génial. On naviguait tous au contact. Là, Les protos là jusqu'au Birvido c'était au contact. Après il y en a qui se sont échappés, il y a eu deux options un petit peu qui sont dessinées. Il y en a qui sont partis sur la route directe en étant plus lofés, pensant faire plus de vitesse, et d'autres qui ont plus abattu. Et finalement c'est ceux qui ont plus abattu. C'est ce qu'on disait, ils ont dû avoir plus d'air au large, on verra sur la carto. Et puis après surtout ils ont eu moins de pétone pour faire l'occidental à la fin. Ok, bon c'était une belle course quand même. Ouais, c'est une super course, c'est vraiment un format génial comme ça, parce que tout le monde reste au contact et on dort pas, c'est vraiment 48 heures à fond, non-stop, c'est vraiment bien sympa. Et puis quand la météo est cool, c'est bien. Et ton résultat alors, t'es content? Bon oui, on essaie, oui, globalement je suis content, on veut toujours faire mieux, hein. Moi voilà, j'avais déjà fait mieux il y a 3 ans, j'avais dû faire 4. Donc là, faire moins bien que 4, ça pourrait être décevant, mais je pense que le niveau monte toujours. Puis voilà, hein, y a des bons bateaux. C'est comme okay. Ça. Ok, merci. Tes impressions? Déjà, je suis hyper contente de mon résultat. Ouais. C'était une super belle nave, il y a eu des conditions vraiment top. C'était calme, on a eu un seul gros moment de pétale, mais sinon c'était des nuits, il faisait jour en pleine nuit, il y avait des couleurs comme ça là. C'était hyper, hyper agréable. Et après, voilà, moi c'est un peu la première fois que je suis dans les 10 premiers et il faut s'accrocher quoi. Quand même, c'est cool. Il faut se battre quoi. Mais non, c'était génial, c'était vraiment génial. Ok, maintenant, tu vas aller manger? Je vais plier mon bateau comme ça, ouais. Je vais revenir pour m'effondrer sur ma manette. Ça va être à peu près rangé.
et je vais aller manger et boire un café grand comme ça parce que j'en rêve depuis 2 jours de faire un vrai café qui a beau de café. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Ben, merci à toi de nous accueillir. Y'a pas de soucis. Bon alors Jonas, l'impression de ta course ? Bah écoute, mitigé, on va dire. Ça a été des hauts et des bas, un super début avec un beau départ dans la baie de Douarnenez, une belle descente de la baie d'Audierne sous Spi, où là je me débrouillais pas trop mal. Un moins bon passage vers Roy là qui était un peu plus compliqué, etc. Et puis voilà, un ensemble de. Enfin la première course avec du beau temps déjà, ouais, c'était bien cette saison. C'est sûr. Et bah, très sympa et puis des super nuits avec une lune encore cette nuit là qui était géniale. Donc toujours plaisant et puis avec autant de bateaux sur l'eau c'est toujours un plaisir. Et puis il y a de la bagarre jusqu'au bout. Ouais, belle bagarre dans la baie. Voilà, jusqu'au dernier virement. Donc, parfait, on reviendra. Ça marche, merci. Un bon départ. Moi je voulais partir à droite plus dans la baie donc j'ai eu ce que je voulais donc c'était pas mal. Avec Justine jusqu'au rat, donc ça c'était cool. Et après je me suis trompé, j'ai envoyé le petit spi au lieu du grand. En tant que je leur change, ils sont partis. Voilà, et puis après quoi de marquant pas grand chose jusqu'à Groix. Là je pense que j'ai remonté un peu ce que j'avais perdu. Ouais. Et puis je pense que j'ai reperdu après les bières vidéo. D'accord. Voilà, j'ai reperdu avec les bières vidéo. Moi j'ai loafé sous code 5 et je pense qu'ils sont passés dessous. Ok, ouais. Ça marche. Bon et maintenant, un bon repas. Ouais. Une bonne... Un bon petit déj. Ouais voilà. Une petite sieste et une douche surtout. Ça marche.